fonctionne pas. Hein. Fonctionne. Fonctionne pas. Ah, voilà. Voilà, rebonjour à toutes et tous. Nous allons conclure. Je voudrais juste vous donner quelques petites informations pratiques. C'est, plusieurs personnes nous ont demandé si les présentations de ce matin seront disponibles. Alors oui, on vous enverra. Voilà. Donc on vous enverra d'ici quelques jours, de toute façon, un formulaire d'évaluation afin que vous puissiez évaluer la journée que vous avez passée avec nous aujourd'hui. Et on vous transmettra également toutes les informations pour que vous puissiez accéder aux différentes présentations. Alors, pour vous informer aussi que les ateliers seront synthétisés et que là aussi, on vous transmettra, vous avez des jobbies de l'ULB qui ont par binôme participé à vos ateliers et qui donc vont faire le rapportage. Et maintenant, je donne tout de suite la parole pour les conclusions à Madame Valérie Piette, qui est donc conseillère des autorités de l'ULB pour la politique de genre, mais pas que. Vous savez qu'elle est aussi prof d'histoire, Enson. Donc Valérie, à toi la parole. Merci beaucoup Alexandra, et merci d'abord, voilà, l'heure des remerciements c'est peut-être après et puis il y a peut-être le drink, mais déjà merci à tous et toutes, aux rapporteurs et rapportrices déjà, et puis pour la densité de ces échanges depuis ce matin. On croit quelquefois savoir pas mal de choses et puis on continue à apprendre continuellement, et c'est de la formation continue, je crois, le genre, et c'était tout à fait passionnant. Alors conclure tout cela, c'est difficile, c'est compliqué, donc je vais essayer et revenir d'abord sur cette institution, en fait, hein, on n'en a pas parlé depuis ce matin, mais si l'enseignement et l'école est une institution fondamentale dans nos vies, l'institution scientifique est l'Académie, l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, l'est aussi, évidemment, c'est une institution surnommée la Thérésienne, alors c'est assez important, une impératrice, une archiduchesse d'Autriche, je savais que j'allais buter, archiduchesse d'Autriche, merci, reine de Hongrie, qui a donc fondé cette académie en 1772 pour promouvoir les lettres, les arts et les sciences. Alors c'est déjà quand même une particularité belge comparée à la France. C'est une institution tout à fait fondamentale, institution qui reçoit énormément de colloques, dont celui-ci aujourd'hui, dont un autre, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y avait deux colloques aujourd'hui là à côté, un colloque néerlandophone consacré à l'informatique. Alors, c'est passionnant, hein, si vous êtes trompé à la pause café, de rentrer à côté, parce que je crois que c'est inversement proportionné, genré en tout cas, avec ce colloque. Nous avons plus ou moins, peut-être pas dans les intervenants, mais dans les participants et participantes, je crois qu'on peut vraiment dire le « e » ici, à peu près 90% de femmes, je crois que je ne me tromperai pas en disant ça, et c'est tout à fait le contraire, si pas plus, de l'autre côté. On aurait peut-être dû échanger le public à certains moments pour faire avancer les choses, car il y a des participants qui ne se mélangent pas ou peu. Alors une autre institution, évidemment, c'est la langue, hein, l'Académie des arts, mais aussi des lettres, le rôle de la langue, rendre visible par la langue, hein, c'était un des ateliers de cet après-midi, c'est quelquefois compliqué, on sent les réticences, on sent les freins, et ils sont évidemment nombreux. Donc l'école, une institution. Et quelle institution? Une école qui a une histoire longue, je suis historienne aussi à la base, donc voilà, je ne peux pas m'en empêcher, une histoire qui a été fondamentale pour les femmes, puisque l'école a quand même été un levier, le premier levier du féminisme, hein. Atteindre l'éducation des filles a été le grand combat des féministes et des proto-féministes, si on peut le dire, au 19e siècle, et donc il était fondamental pour ces féministes
d'éduquer les filles, qu'elles puissent accéder à l'enseignement, et elles sont battues, hein. Quelquefois ça a été à la cravache, hein, quand on pense les cours de latin qu'elles ont dû rattraper pour rentrer à l'université à la fin du 19e siècle, ça a été extrêmement dur pour pouvoir tendre vers cette égalité. Donc une institution, l'école, qui a pour mission l'égalité, mais cette école n'enseigne toujours pas aux enfants l'égalité des sexes. Et comme nous le rappelait Isabelle Collet ce matin, c'est aussi une école qui ne peut donc plus rester passive vis-à-vis, face au sexisme et aux discriminations de sexe et de genre. Une école qui a mis en avant, et des institutions telles que celles-ci l'ont fait aussi, qui a mis en avant à certains moments des matières plus fortes que d'autres. On nous parlait ce matin du latin. Hein, le latin a été fondamental comme étant véritablement la barrière, hein, qu'il fallait atteindre. Les filles ne pouvaient pas avoir de cours de latin, donc elles ne pouvaient pas accéder à l'université, puisqu'il fallait avoir son diplôme de gréco-latine pour entrer à l'université. Donc des matières excluantes qui sont considérées comme des références universelles, mais on sait que l'universel cache bien des choses. Des matières privilégiées qui changent avec le temps, et c'est à ça qui est assez fascinant, puisque le recteur de l'ULB le rappelait ce matin, 1880, trois jeunes filles rentrent à l'école, elles vont rentrer dans des disciplines scientifiques. À l'époque, la faculté de sciences est la plus ouverte aux jeunes filles, la faculté de médecine également. On considérait que faire de la chimie c'était, ou de la pharmacie, c'était tourner dans des pots. Et donc entre ça et cuisiner, il n'y avait pas vraiment beaucoup de différence, et que c'était donc très féminin, et je ne caricature même pas. Et évidemment la médecine, l'art de soigner, la maternité, le côté maternant, c'était évident pour les jeunes filles. Alors quel contraste, hein, les facultés les plus fermées étaient les facultés de lettres, étaient les facultés de droit, et aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire, mais d'autres disciplines ont pris la place. On le voit avec l'informatique notamment, on le voit avec les métiers d'ingénieur, les techniques qui deviennent maintenant ces matières universelles, évidemment, mais tout à fait excluantes, excluant les femmes de l'enseignement. Cette école, ce lieu d'apprentissage et d'égalité, qui devrait nous ouvrir le champ de tous les possibles, c'est ça, normalement, l'école. Et ce n'est pas spécialement éduquer à, hein, comme le rappelait Isabelle Collet ce matin, qui ne concerne pas des savoirs, et j'ai bien aimé ces comparaisons, notamment avec l'Evras. Hein, l'Evras est aussi quelque chose à part pour éduquer à, qu'on met sur le côté, hein, avec la citoyenneté, enfin tout ce qui est égalité, démocratie, sexualité, tout ce qui n'est pas nécessaire en fait à notre vie de tous les jours, évidemment, est un peu mis sur le côté, alors qu'évidemment l'école, le champ des possibles, de tous les possibles, c'est avant tout cela. L'école, c'est un lieu également, une institution, mais un lieu. Un lieu, et la petite fille qu'on a vue tout à l'heure dans ce très beau film, où cette fille qui aime le foot, hein, un garçon manqué, dirait-on, Prévert aurait dit une fille réussie, hein, ce qui est déjà extrêmement intéressant. Cette fille manquée nous a questionné, hein, elle nous a montré l'école, elle nous a montré le terrain de foot, le préau, elle nous a montré les lieux, parce que l'école c'est aussi des espaces, ce sont des lieux. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'elle n'a pas du tout assuré l'école, hein, c'est sans doute le lieu où l'on joue en fait, ça doit être l'école, c'est assez fascinant. L'école ce n'est pas qu'une classe, ce n'est pas que des bancs, ce n'est pas qu'un tableau noir ou virtuel d'ailleurs, mais c'est aussi un préau, des lignes au sol, des lignes de démarcation, c'est aussi des toilettes, et c'est aussi un terrain de foot. Qu'est-ce qu'on a parlé ? Peu des toilettes d'ailleurs, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les toilettes à l'école, mais qu'est-ce qu'on a parlé de foot aujourd'hui ? Le terrain de foot qui n'est pas du tout à la périphérie de l'école, mais qui semble essentiel même dans l'école. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut remplacer le terrain de foot par des poneys, hein ? Un nouveau slogan pourrait être des poneys à l'école, mais il y a là, à mon avis, matière. Le terrain de foot est peut-être bien plus excluant que les matières enseignées. J'ai trouvé ça tout aussi passionnant. Alors, l'école, c'est un lieu, c'est aussi évidemment des personnes qui y travaillent, des enseignants et des enseignantes,
Alors là aussi, on ne l'a peut-être pas assez souligné aujourd'hui, mais on a beaucoup parlé des enseignés, mais peu des enseignants. Et dans les enseignants, ben, il y a beaucoup plus d'enseignantes. Ça paraît évident, c'est tellement évident qu'on ne le dit même plus. Et pourtant, qu'est-ce qu'elles sont critiquées aujourd'hui, les institutrices ou les professeurs, parce qu'elles sont trop nombreuses, hein, et que c'est elles qui font les petits garçons. Qu'est-ce qu'on entend d'ailleurs, aujourd'hui, elles sont accusées de tous les maux. D'ailleurs. Ces enseignantes et ces enseignants doivent être formés, hein, formés au genre. Et c'est sans doute là un des problèmes. On croit savoir tout ou à peu près sur le genre, ou plutôt le genre est peut-être la matière, j'allais dire la discipline, où on est fier de dire qu'on ne sait pas. On est fier de dire qu'on ne connaît rien au genre, ça fait bien. Hein, la plupart du temps, on n'ose pas dire qu'on ne sait pas, mais là, c'est même quelquefois un atout de dire qu'on ne sait pas. Alors, former, évidemment, c'est un levier fondamental, c'est un outil, et nous savons que le genre est un outil merveilleux qui aide à penser. Hein, mettre des lunettes de genre change évidemment radicalement notre perception au monde et à la société. Et enseigner, c'est aussi transmettre. Et comment transmettre ? Par, évidemment, les matières et la discipline, mais aussi par le savoir-faire. Et je crois que c'est surtout de plus en plus le savoir-faire qu'il nous faudra questionner. Et tous les ateliers de ce qui me sont revenus, ou à peu près tous, ont beaucoup discuté de comment faire passer les choses, de ne pas y aller frontalement, hein, d'avoir des stratégies. Alors on sait à quel point les filles connaissent les stratégies d'évitement, mais à quel point ce n'est pas en allant frontalement qu'on va faire avancer les choses, mais bien en zigzagant au fur et à mesure. Je crois que la plupart des ateliers ont mis ces formes de stratégie en avant, et donc je crois que le savoir-faire des enseignants et des enseignantes de demain sera fondamental. Hein. Comment faire passer les choses, ça paraît évident, mais il ne suffit pas d'avoir en cours, et on l'a vu, hein, ce fameux cours de diversité et de genre. Hein. Je peux vous assurer que la plupart du temps, on parle beaucoup plus de diversité que de genre, d'ailleurs encore aujourd'hui, en tout cas dans les hautes écoles que j'ai visitées. Il faut aller au-delà d'un cours. C'est pas parce qu'il y a un cours que la bataille est gagnée. Même si on avait un cours du genre, c'est pas pour ça que la bataille sera gagnée. Loin de là. Il faut, dans le savoir-faire, pouvoir déconstruire ses propres préjugés, hein, les préjugés de l'enseignant, ses propres stéréotypes. Comme le rappelait Isabelle Collet encore, nous sommes construits de stéréotypes. Que voilà, il faut pouvoir aussi s'interroger soi-même, en être conscient, je pense évidemment pour le genre, mais je pense aussi évidemment en matière de sexualité. Aller faire de l'évrasse dans une école quand on a du mal avec sa propre sexualité, c'est évidemment extrêmement problématique. Autre point fondamental de la journée, c'est évidemment l'orientation. L'orientation, le fameux butoir de la mixité ou le butoir de l'égalité. On a vu les chiffres, hein. On est à 22% de filles aujourd'hui qui choisissent des voies comme ingénieurs, mais on est encore plus bas, et ça ne fait que régresser ces dernières années en Belgique et un peu partout en informatique. Mais on pourrait aussi dire le contraire, ça veut dire qu'il n'y a que 10% ou 20% de garçons qui font des lettres, ou des langues, ou de la psychologie. Voilà, eux aussi ils perdent, hein. On voit toujours évidemment le nombre de filles dans des disciplines dites fortes, c'est-à-dire qui ont un capital assuré à la suite, ou à peu près, mais il ne faut pas oublier non plus les garçons qui ne choisissent pas, hein, ou qui font un non-choix, les filières dites féminines, d'ailleurs, dites littéraires. Comme le disait l'historien Georges Vigarello, les normes se transmettent par le silence. Et il faut donc aujourd'hui, je crois, arrêter de se taire, croire que tout se passe normalement, serait se mentir à soi-même. Les choix libres, c'est ce qu'il y a de moins libre. On le rappelait encore tout à l'heure, les normes se transmettent par le silence. Les filles réussissent mieux. On nous l'a répété toute la journée, on se le répète, les filles réussissent mieux à l'école. Waouh ! Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les filles sont à 55% dans les universités.
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les filles réussissent mieux en médecine quand elles y arrivent? Je crois qu'il y aura là aussi plein de questions encore à poser. C'est pas parce que le cerveau rose est supérieur au cerveau bleu. Enfin, peut-être, mais enfin bon, ça... Non. Mais c'est peut-être encore, les études, c'est peut-être encore le seul moyen pour les filles de s'en sortir. C'est peut-être parce qu'elles n'ont pas ou plus la capacité de sortir, de découvrir le monde, de s'y frotter, de l'appréhender, de s'y perdre. Peut-être que les mères, on parlait des parents tout à l'heure, peut-être que les mères disent à leur propre fille, soit une femme, ma fille, apprend, va à l'école, soit en croit encore dans l'ascenseur social qu'est dans notre société l'instruction et l'école. Comme on le rappelait tout à l'heure, les loisirs des filles, c'est l'aide aux devoirs, réussir, elles n'ont peut-être en fait plus que ça à faire parce qu'elles n'ont rien d'autre ou elles ne peuvent plus rien faire. Et je suis persuadée qu'un jour, quand les historiens travailleront sur ces questions, que l'affaire Dutroux en Belgique d'ailleurs n'a pas arrangé les choses après 96, nous savons à quel point les filles sont beaucoup plus enfermées que les garçons, inconsciemment même, ne peuvent pas aller dans l'espace public dès le plus jeune âge. Et on l'a vu, je ne me rendais pas compte que c'était à ce point-là, que vers 13-14 ans, elles disparaissent même des colonies de vacances, où tout à coup, elles ne peuvent plus vraiment découvrir le monde. Elle le découvre par les matières et par l'étude. Orientation donc, mais aussi évidemment stéréotypes, stéréotypes de genre qui depuis ce matin sont là, suspendus, conséquence de l'inégalité, nous rappelait Isabelle Collet, pas la cause, mais bien la conséquence de l'inégalité. Personne ici n'échappe ni aux préjugés, ni aux stéréotypes. Nous essayons d'y échapper, mais nous y tombons tous et toutes. La fille est laborieuse, le garçon est talentueux. Elles bossent beaucoup, les filles, pour réussir, elles. D'ailleurs, Harry Potter est talentueux. Hermione bosse avec acharnement dans la bibliothèque de Poudlard. Elle va aider Harry à s'en sortir parce qu'elle travaille. C'est une intellectuelle, c'est en rat de bibliothèque. Mais c'est quand même Harry le héros, hein, même si on aime beaucoup Hermione. Et c'est quand même une femme, d'ailleurs, qui se dit féministe, qui a choisi un garçon pour être le héros mythique, qui est devenu Harry Potter. Et ce n'est pas anodin, ce que je vous dis, hein, ce n'est pas pour meubler que je vous parle d'Harry Potter. Harry, c'est aussi un modèle. Hein, on parlait de la nécessité, dans des ateliers où on en a parlé, de la nécessité de modèles positifs pour les filles et pour les garçons. Alors les garçons, on leur en offre. Tous nos manuels scolaires en sont pleins, que ce soit dans les professions ou dans les grands vainqueurs du Tour de France. Eddy Merckx, d'ailleurs, en a remporté plusieurs. Mais nous avons surtout besoin de modèles positifs pour les filles, et ces modèles se font rares, et c'est pour ça, évidemment, hélas, on n'a pas eu la palme d'or à Cannes à nouveau, hein, mais les choses bougent néanmoins, et je crois qu'elles bougent beaucoup, je l'espère. Il y a des choses dont on a peu parlé dans ce colloque, ou peu interrogé, c'est la mixité. Hein, on a dit que ça allait de soi, voilà, ou la non-mixité. Enfin, c'est pas vrai. Plusieurs fois, on a parlé non-mixité et la salle n'a pas hurlé, donc c'est déjà des changements quand même, ça bouge aussi. Elle a été peu questionnée et pourtant, hein, et pourtant je crois qu'il faudrait encore la remettre sur le métier, hein, cette mixité qu'on nous présente toujours comme un acquis fondamental, comme étant la grande victoire des féministes, alors que les féministes, franchement, se sont fort peu battues pour atteindre la mixité dans les écoles. On sait très bien que la mixité existe depuis 1970 en Belgique pour des raisons budgétaires, essentiellement, économiques, qu'elle a été instaurée pour ces raisons-là, mais aussi, et on l'oublie, pour empêcher l'homosexualité. Ça a été un des arguments des plus grands pédagogues à l'époque, de Crowley déjà d'ailleurs, ou bien d'autres, les plus grands pédagogues et les plus positifs ont considéré qu'une coéducation des sexes était bien meilleure pour que les homosexuels ne se reproduisent pas déjà à l'époque. Ne l'oublions quand même jamais. Alors en guise de conclusion, déconstruire, abattre les murs. Oui, il faut abattre les murs.
Il faut déconstruire, mais cela ne suffit sans doute plus. Car génération après génération, nous découvrons les inégalités de genre, ou plutôt, j'ai envie de dire, nous les redécouvrons. Nous oublions que les générations précédentes, elles l'ont déjà fait. Que les féministes des années 70, mais aussi déjà celles des années 50 et celles des années 30 et celles du 19e siècle, pointaient des choses que nous repointons aujourd'hui. Alors évidemment, l'histoire a changé, les choses bougent, nous avons plus d'outils théoriques notamment, mais en gros, la trame théorique, nous l'avons certainement depuis la fin des années 60, le début des années 70. Ne réinventons pas continuellement le fil à couper, le stéréotype de genre, ai-je envie de dire. Nous savons qu'il existe. Le problème, c'est de pouvoir, une fois pour toutes, faire passer les choses. Et pour ça, nous avons peut-être besoin de manuels. Ça, j'en suis persuadée. D'avoir besoin de ne pas recommencer l'histoire à chaque fois. Hein, le MLF parlait de l'histoire qui repartait à zéro. Hein. Ben non, l'histoire ne repart pas à zéro. Il faut transmettre, il faut passer le passage de témoin. Il faut pouvoir s'asseoir sur les acquis précédents et ne pas à chaque fois redécouvrir. Et il faut le faire de plusieurs manières, évidemment, à l'école, notamment par les disciplines, et vous l'avez vu dans les ateliers, notamment l'histoire, évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire, revisiter l'histoire, y trouver des modèles féminins, Olympe de Gouges ou Hermione d'ailleurs, l'histoire mène à tout. Il faut pouvoir retravailler ces manuels qui font bouger les choses, quoi qu'on en dise, hein, ces fameux manuels. Il nous les faut de plus en plus, je crois que c'est fondamental pour pouvoir créer une école non discriminante, ou en tout cas de moins en moins. Mais il n'y a pas que l'histoire comme cours. Hein. Il y a bien d'autres cours, et je crois, et on l'a vu dans l'outil proposé, qu'il faut savoir passer à travers toutes les disciplines pour pouvoir arrêter de donner des stéréotypes de genre, mais pour pouvoir aussi avoir des cours égalitaires. Il faut donc déconstruire encore et toujours, il faut agir, il faut arrêter de mettre ces petites caisses hein, et d'empiler ces petites caisses, mais bien oser, comme on le disait ce matin, il faut éduquer les garçons de plus en plus, éduquer les garçons à l'égalité, éduquer les garçons à l'immixité. Peut-être pas leur enlever le terrain de foot tout de suite, ou alors il faut vraiment beaucoup de poney, parce que je n'ose pas imaginer les réactions, mais néanmoins je crois que ça passera aussi par cela. Il faut favoriser la confiance en soi des filles dans l'espace public, je crois que c'est tout à fait fondamental. Il faut dans les classes pouvoir répartir les prises de parole, encore aujourd'hui la prise de parole publique des femmes pose question et doit être formée. Je crois véritablement qu'il faut former, instruire les filles à oser prendre la parole. Il faudra sans doute oser des quotas également à l'école ou en tout cas dans des orientations universitaires. L'école, qui est en lieu de reproduction des stéréotypes de genre, peut ou plutôt devrait être en lieu avant tout qui permet de briser ces stéréotypes de genre. C'est ça aussi la force de l'école. Il faut pouvoir sortir les choses, il faut pouvoir offrir des outils qui sont nécessaires, on en a vu un aujourd'hui qui est tout à fait fondamental, mais les outils en tant que tels ne suffisent pas. Il faut savoir s'outiller. Il faut aller chercher l'outil, mais il faut aussi savoir s'en servir. Il faut aussi savoir comment s'en servir. Bref, il faut oser, il faut briser les murs, il faut sortir des placards, il faut sortir des armoires, le fameux avis 137, à nous maintenant de le faire vivre quotidiennement. C'est tout le mal que je lui souhaite, c'est que cet avis 137 sorte du placard et qu'il soit connu de toutes et de tous. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Valérie pour ces conclusions, on ne peut plus complètes.
Vient l'heure des remerciements. Je voudrais tout particulièrement remercier l'équipe de l'ULB avec qui nous avons collaboré pour organiser le colloque. Valérie Piette, bien sûr, mais aussi Guylaine Viré, Corinne Duxtheim et France Le Guay. Et surtout, je voudrais remercier Mathilda Delier, qui est une toute jeune collaboratrice au sein de la direction de l'égalité des chances et qui est arrivée il y a un mois et demi et qui a été vraiment la petite main et la grande main de cette journée aujourd'hui. Et je pense qu'on peut applaudir tout ça. Et aussi Nathalie. Voilà, merci. Voilà, et aussi Nathalie Baudine qui l'a épaulée dans ces différentes démarches. Voilà, je vous remercie toutes et tous. Vous allez encore entendre parler de nous. On va vous envoyer le formulaire d'évaluation, tout ça. Vous aurez accès aux différentes présentations. Mais maintenant, c'est le temps de souffler. Et donc, un petit drink nous attend en bas. Nous allons pouvoir clôturer et papoter pour finir en beauté. Merci à tous et toutes. Ah oui. Alors, juste encore un point, les personnes qui sont venues via l'IFC, l'Institut de formation en cours de carrière, doivent absolument nous remettre leur formulaire d'évaluation dans une petite boîte qui se trouve là-bas derrière.